Salut tout le monde, vous vous rappelez, il y a une quinzaine de jours, j'avais fait une petite vidéo, je vous avais présenté comment préserver une rosette qui fleurissait. On avait fait quick sur la rosette. Donc là, on va faire un petit suivi de ce qui se passe. Donc c'était il y a 15 jours, ouais, 15 jours pile. Donc vous vous rappelez, ce cultivar là, Apollo, enfin, censé être Apollo. Et voyez, voilà, la rosette qu'on avait coupée, sectionnée, elle est là. Et on voit déjà l'apparition de petits bourgeons. Alors ces petits bourgeons, ça peut être des fleurs, c'est pas encore garanti que ça soit des rosettes, mais bon voilà, l'évolution est plutôt encourageante. Donc je reviendrai sur cet exemple là hein, pour vous montrer comment ça évolue plus tard. On voit que là aussi des petites rosettes ont fonctionné. Et je voulais vous montrer encore deux autres choses aujourd'hui. Voilà, un autre cultivar que j'ai sectionné il y a un peu moins longtemps. Et vous voyez, celui-ci, il fait une drôle de tête. Donc ça, bah, c'est tout simple, hein. En fait, c'est un coup de soleil. Le fait d'avoir enlevé la partie supérieure de la rosette, donc enlevé les feuilles qui étaient au-dessus, on a mis à nu des feuilles qui n'avaient pas l'habitude de voir du soleil vraiment direct, même si la plante est en plein soleil. Les feuilles de dessous étaient un peu protégées par celles du dessus. Et voilà, vous voyez ce qui se passe. Paf, coup de soleil, ça c'est flagrant. C'est caractéristique, ça brunit comme ça. Donc les feuilles qui ont pris le coup de soleil, bah, elles vont finir de sécher. Mais ça ne remet pas en cause notre tentative de préservation de la rosette pour créer de nouvelles petites rosettes. Donc on suivra aussi ce genre d'évolution. Et encore un petit truc que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc supprimer des rosettes, bon bah c'est bien quand on a peu de rosettes. Mais par contre, allez, quand même truc sympa quand ça fleurit. Hein. Regardez sur cette espèce botanique là, qui s'appelle le Canthum. On voit, alors comme déjà présenté précédemment dans une vidéo, hein, on voit qu'il y a des rosettes de couleurs différentes, donc les plus claires, et puis celles qui sont plus colorées sont celles qui fleurissent, ou qui vont fleurir. Vous voyez, celle-ci, elle a la particularité de fleurir comme ça. La hampe se déploie un peu incurvée, comme un col de cygne. C'est vraiment très très sympa, je trouve, avec ces pointes de feuilles colorées comme ça. Donc vous voyez, tout ça là, voilà, toutes les feuilles les plus colorées sont des rosettes qui vont fleurir. Et je trouve ça très joli. Et celle-ci, elle a en plus une particularité qui n'est pas si fréquente, enfin bon, c'est pas une rareté non plus, mais elle fleurit jaune, un jaune très pâle, presque blanc. Et j'imagine d'ailleurs que c'est probablement l'origine de son nom, le Canthum. Voilà, voilà. Donc surtout, bah voilà, n'hésitez pas hein, vraiment à aimer, à partager, à me faire des commentaires, à me poser des questions. Et puis, ça peut toujours faire l'objet, donner des idées pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao, ciao, à bientôt.